Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo du Go. Aujourd'hui, on va traiter du point 79 de l'avenir en commun. Alors, qu'est-ce que le point 79 de l'avenir en commun? L'avenir en commun, c'est ça, c'est le programme. Et le point 79, il est là, lutter contre l'agression publicitaire et la marchandisation. Alors oui, on va parler pub aujourd'hui. Pourquoi je vous parle pub? Alors, on nous reproche souvent d'avoir un programme national et de ne pas s'occuper du local. Et bien là, on va faire le lien entre les deux. Il y a une association qui s'appelle les Antipubs de Lille. Ils ont un blog, vous pourrez trouver ça sur Google, qui nous alerte sur une problématique actuelle. C'est l'installation, vous savez, des nouveaux panneaux, des grosses télés, en fait, des énormes télé qui sont dans le métro, dans les transports en commun, et qui vous balancent des pubs qui sont maintenant du coup des films et plus seulement des affiches. Alors déjà que les affiches, ça commençait un peu à être pesant dans l'air, là maintenant vous avez carrément des spots hein, qui vous viennent directement au visage. Bon, on me disait que ça fait un peu comme dans Minority Report, vous savez, le film là où on est dans le futur et où la publicité s'adapte en scannant l'œil, s'adapte à la personne qui passe devant elle. Donc on n'en est pas loin. Non, quel est le problème de ce genre de nouveaux panneaux publicitaires? Eh bien, tout simplement, alors que dans les transports en commun, on essaye de faire des économies d'énergie, c'est aussi un peu le but des transports en commun, eh bien, on va gaspiller de l'énergie dans ces panneaux publicitaires, parce qu'un panneau publicitaire comme ça consomme l'équivalent de deux familles complètes. Hein, c'est quand même assez colossal, juste pour nous envoyer des publicités plein la tête. Alors pourquoi on est contre les pubs? Bon, alors pas parce que elles seraient pas jolies, quoique des fois elles sont quand même horriblement moches, des fois elles sont quand même horriblement sexistes, des fois elles sont quand même horriblement vulgaires, violentes, et j'en passe. Non, parce que ça pousse aussi à une consommation dont on n'a pas besoin. À chaque fois qu'on vous balance des pubs, il y a la différence entre l'information, vous savez, le spectacle que vous allez voir, et la pub qui va chercher à vous vendre quelque chose dont vous n'aviez pas besoin avant de passer devant la dite publicité. Donc c'est là pour valider tout ce système de consommation à outrance. Produisez n'importe quoi, on trouvera toujours quelqu'un à qui le vendre. Et s'il ne veut pas qu'on lui vende, c'est pas grave, on lui fera des publicités pour qu'il l'achète. Alors moi, je vois, hein, des fois, j'ai des amis qui me disent, oui, mais tu sais, moi, les pubs, je regarde pas, etc. Mais les amis, si les pubs, ça ne marchait pas, si ça ne permettait pas de vendre davantage, pourquoi ils se casseraient la tête à faire des pubs? Hein? Réfléchissez-y. Donc, voilà, moi je veux apporter mon soutien à cette association et dire qu'en tant que député, j'essaierai de passer un maximum d'amendements et de lois qui permettent de lutter contre ces pollutions visuelles. Une chose de plus, et pour rendre un peu les choses concrètes, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les pubs? On pourrait déjà commencer par dire que dans les lieux publics sur lesquels on a un peu la mainmise, eh ben on puisse interdire tout simplement les publicités. Ça pourrait être une mesure intéressante. Et puis pour les Lillois, pour les couleurs d'affiches plus particulièrement, vous avez déjà remarqué qu'il y a des panneaux d'affichage libre dans Lille. Alors, ils sont libres, mais pas toujours, hein. Et pour preuve, quand vous collez sur les gros panneaux d'affichage libre à Lille, votre affiche, au mieux, elle dure 24 heures, mais vraiment, si vous avez de la chance, en général, ça ne dure même pas une demi-journée, si ce n'est pas que quelques heures. Pas très économique en termes d'énergie qu'on a passé pour coller les affiches, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on a un phénomène de privatisation de cet espace-là par des boîtes qui sont spécialisées dans le collage. C'est-à-dire, vous avez un affichage libre qui n'est pas payant, mais vous avez une boîte privée qui va s'accaparer cet espace. Moyennant finance. Alors je vois pas en quoi c'est un panneau d'affichage libre si c'est accaparé par une boîte qui est effectivement en capacité de venir recoller tous les 3 heures les affiches. Alors même si c'est des affiches de concert, parce qu'on va dire oui, mais c'est la culture, c'est important. Moi je pense qu'il faut qu'on soit en capacité de s'organiser pour dire ben voilà, on met de l'espace pour les concerts et, parce que ça fait partie de la vie culturelle et de l'information. On parlait tout à l'heure de la distinction entre pub et information. Et en même temps, laisser des panneaux qui soient vraiment à une liberté politique. Et puis aussi, on pourrait mettre pour les associations, ça éviterait que les uns et les autres se marchent dessus. Ou alors peut-être que des gens veulent qu'on se marche dessus ou rendre invisible la politique dans l'espace public. Voilà, c'était
le nouveau Topo d'Hugo. Je vous invite à mettre plein de pouces bleus partout, à partager à vos amis sur Facebook, YouTube, Twitter, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à lâcher des commentaires et à me dire ce que vous en pensez. À la prochaine!